La petite feuille blanche pour le test. Voir si mes dents sont bien blanches. Salut à tous. Salut de sa part aussi. Moi c'est Flo. Mais pourquoi? Ah, je suis perturbée maintenant. Allez, tu refais ton intro, c'est parti, vas-y. Allez. Intro. Salut à tous. Non. Attends. Ah voilà. Salut à tous, moi c'est Flo, bienvenue chez moi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va très très bien. Je suis avec vous aujourd'hui pour un nouveau tuto et dans ce tuto je vais vous montrer comment on peut réaliser des perles assez facilement et également un petit tuto sur une couronne dorée. Et donc en fait on va terminer un dessin que j'ai déjà commencé en partie avec vous, c'est sur Skog's Ricket d'Anna Carlson ou bien le Forest Kingdom en anglais. Je pense que c'est plus facile à dire en anglais. Et voilà, j'ai rien d'autre de spécial à vous dire, donc je vais commencer directement. Voilà, à tout de suite. Donc, on va commencer par la petite couronne qu'on a ici. Et pour la couronne, je vais prendre les couleurs que l'on retrouve ici au-dessus. Donc, il faut savoir que j'utilise les Castle Art Gold pour ce dessin. Et alors, je vais commencer ma petite couronne avec le jaune le plus clair, le Golden Yellow, donc le 003. Donc, j'avais décrété également pour ce dessin que la lumière venait de la droite, donc je vais me baser sur ça pour poser mes couleurs. Et il faudra certainement qu'on mette un petit peu de Posca à certains endroits pour masquer les lignes noires. Cette partie-ci, elle est dans l'ombre, donc je ne vais pas venir mettre du jaune clair ici. Mais là, je peux encore en mettre un petit peu. Voilà. Je prends ensuite le Cadmium Yellow, le 007. Et je viens juste contre le plus clair. On passe ensuite au Terracotta Light, le 011. C'est la première fois que je fais doré avec ces crayons, là, donc on va voir ce que ça va donner. J'ai fait un petit test sur une feuille et ça avait l'air pas mal, donc j'espère que sur ce papier-ci, ce sera pareil. J'espère que vous n'entendez pas trop fort le bruit de la rue derrière moi. J'ai laissé la fenêtre ouverte et comme j'habite sur une route fort fréquentée, parfois on entend assez fort les voitures et les camions qui passent, c'est embêtant. Malheureusement, j'ai demandé l'autorisation à la commune mais pour pouvoir mettre des barrières quand je filme pour pas qu'il y ait de passage, mais ça m'a été refusé, j'ai pas compris pourquoi, mais bon, voilà. Alors, on arrête les bêtises. Je prends maintenant le 197, le Redwood.
pris le 121, le Walnut Brown. Je vais reprendre le Terracotta Light, le 011. Donc, comme vous voyez, je repasse sur mes zones foncées et j'étire un peu vers le clair. Je vais monter un peu plus haut parce que je voudrais bien quand même qu'on ait l'impression qu'elle est un peu qu'il y a vraiment un angle en fait ici. Je vais reprendre de nouveau le Redwood, le 197. Ensuite le 007, le Cadmium Yellow. Et enfin, je reprends donc une dernière fois le 003, le Golden Yellow. Je ne vais pas tout à fait jusqu'au bout, puisque j'aime bien garder quand même vraiment ma zone la plus claire sur les bords. Alors, je voulais également prendre le noir, mais je l'ai oublié, il est là. Avec le noir, je vais simplement venir faire les petits ombrages de mes perles qui sont dessus. Et peut-être foncer un tout petit peu cette partie-là. Voilà.
Je prends maintenant le stylo gel blanc avec lequel donc je vais masquer la ligne noire de droite, celle qui est vraiment selon moi dans le soleil. On n'a pas besoin de la voir celle-là. Voici pour la partie dorée. Comme vous voyez, ça a été relativement rapide. Et maintenant, on va faire les petites perles et les petits cristaux qui sont sur la couronne. Et ça, je vais les faire en rouge, comme des rubis. Voici donc les couleurs que j'ai choisies pour les rouges. Donc le 086, le magenta, le 022, le scarlet red et le 015, le red ochre. Je vais commencer par poser le plus clair, donc le 015, le red ochre. Je le mets partout, mais légèrement. Je prends ensuite le magenta, le 086. Je prends ensuite donc le Scarlet Red, le 022. Et donc je laisse un petit rond plus clair, enfin un petit rond blanc sur chaque petite perle. C'est pour lui donner un peu d'éclat.
Je reprends encore le 015, le Red Ocre. Alors juste sur la partie du petit cristal au milieu, je repasse un tout petit peu avec le Red Ocre, mais je laisse quand même des parties blanches. Et je pense que je vais même repasser peut-être aussi avec le stylo gel sur le centre. Voilà, alors c'est terminé pour la couronne, on va passer maintenant aux perles qui sont ici. Je vais les faire en rouge et en bleu. Pour le rouge, on va garder donc les mêmes couleurs, le magenta, le scarlet red et le red ocre. Et comme je les ai en main, eh ben on va commencer par celle-là. Là, je vais commencer avec le magenta, le 086, donc je vais en faire une sur deux. Et là, je vais venir couper ma perle en deux en faisant une ligne au centre un peu arrondie et une ligne également sur le bas. Et je la fais légèrement dépasser sur les bords. J'essaye de vous montrer ça au mieux. Donc une ligne au centre qui est un peu arrondie et une ligne sur le bas. Donc on suit vraiment la ligne noire du bas de la perle et on la fait remonter un tout petit peu au-delà de la ligne qu'on a fait au centre. Maintenant, donc, je vais prendre le Scarlet Red, le 022. Je vais passer sur la ligne du haut de la perle. Je viens rejoindre la ligne précédente que j'avais faite avec le magenta. Et je viens également colorier une partie du bas de la perle. Et pareil au-dessus de la ligne que j'ai faite au préalable au milieu. Donc le dessus d'abord, une partie en dessous,
Non, c'est pas grave. Je prends ensuite le Red Ocre, le 015. Je vais venir légèrement repasser sur toute la partie d'en bas, là où c'est blanc. Là, je commence d'abord par vraiment une couche légère. Et puis, un peu plus fort. Mais pas partout, je laisse un petit blanc. Et pour la partie du dessus, eh bien pareil. Je vais laisser. Enfin, je passe d'abord très légèrement. Je vais refoncer quelques parties. Voilà. Comme ici, on a une ligne noire qui a été dessinée au départ. Il y en a probablement certaines que je vais repasser au Posca dessus pour les masquer. On verra ça à la fin. Et je vais également utiliser le crayon blanc, c'est vrai, je ne l'ai pas marqué sur mon petit papier. Et je crois que je ne l'ai même pas encore sorti, mais ça, c'est pas grave. Je vais reprendre le magenta. Pour venir refoncer certaines parties, on ne voit plus trop bien. Je vais donc prendre mon crayon blanc. Voici le Titanium White 072. Il est propre, donc c'est bon. Et je vais simplement repasser sur mes zones claires. Je vais reprendre encore une fois le Red Ocre, le 015. Et à certains endroits, je repasse légèrement. Les endroits où je trouve que c'est peut-être un petit peu trop blanc, je remets un tout petit peu de Red Ocre. Puis je peux repasser avec mon blanc par-dessus.
Donc en fait, je passe chaque fois d'un crayon à l'autre, donc j'ai que 3 crayons. Voilà pour nos perles rouges. On va maintenant passer au bleu. Alors, pour les bleus, voici les couleurs que j'ai choisies. Donc le Indigo Light, le Cobalt Blue Deep, le Primary Blue et le Cerulean Blue Middle. Je vais commencer donc avec le plus foncé, donc l'Indigo Light. Et je vais faire exactement la même chose que pour les rouges. Donc je vais d'abord tracer un trait qui va couper un peu en deux notre perle. Un trait sur la base de la perle. Voilà, je prends maintenant le Cobalt Blue Deep, celui-ci le 0,95. Je viens faire un trait là sur le haut de la perle. Et je repasse également un peu en bas. On passe au Primary Blue, celui-ci. Je trouve que c'est une façon relativement simple de colorier des perles et au final le rendu est très joli, je trouve, et ça peu importe la couleur que vous utilisez. Le bleu le plus clair, le Cerulean Blue Middle. Donc là je passe légèrement un peu partout sur mes zones claires. Je vais repasser ensuite avec le blanc.
J'ai toujours en main donc le Cerulean Blue Middle, le bleu le plus clair. Et là, sur les côtés, je rétrécis encore un petit peu mes zones claires. Je reprends de nouveau le blanc. Avant de venir mettre du stylo gel blanc, je vais quand même faire les petites attaches qui sont entre chaque perle. Et là, je vais reprendre ce que j'avais pris comme pour la couronne, donc le golden yellow, le cadmium. Et je pense que ce sera suffisant. Donc je vais d'abord mettre du golden partout. Et puis foncer à certains endroits avec le cadmium. Mais je ne vais pas utiliser toutes les couleurs. Par contre, je vais prendre un petit peu de Redwood également. Là où j'ai vraiment une ombre due à la perle. Voilà. Je prends donc mon stylo gel blanc. Ça n'a rien à voir, c'est la grenouille, mais comme c'est très clair, je vais en mettre un petit peu ici aussi. Alors, et bien voilà, c'était un petit tuto un petit peu plus rapide que les autres, mais qui vous permet donc de voir comment réaliser des perles assez facilement, une couronne et un effet doré également. J'espère que ça vous a plu, pour moi c'est toujours un plaisir, je vous remercie beaucoup, n'hésitez pas à voir mes autres vidéos si ça vous plaît, et à bientôt au prochain tuto. Ciao ciao !